Imagine tu chill, t'es en train de regarder une série, quand tout à coup, tu aperçois par ta fenêtre un champignon atomique. Là ça y est, c'est l'apocalypse, te voilà dans Fallout. Eh bien je suis désolé de te le dire, mais c'est ciao pour toi, vu que tu ne peux pas survivre à cet univers. Et ce, peu importe l'époque, avant l'histoire des jeux, dans le 1 ou encore dans le 2, plus tard dans le futur, comme dans le 3 et le 4, et bien sûr dans la série, ou encore dans une autre région avec New Vegas. Mais t'en fais pas, je vais t'aider si jamais ça t'arrive. Et si t'as envie de trouver les jeux Fallout pour pas cher, sache que tu peux économiser jusqu'à 90% sur le site Easton Gaming. D'ailleurs, tu peux avoir plein de réductions sur ce site. C'est celui que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. C'est d'ailleurs ici que j'ai acheté mes jeux. Et je tiens à vous dire, comme tous les mois, vous pouvez gagner le jeu de votre choix grâce au lien Instant Gaming pris en description. Allez, bon courage pour le concours et merci Instant Gaming de soutenir la chaîne. Lorsque les bombes nucléaires de la Grande Guerre ont commencé à pleuvoir, c'est là que les ennuis ont vraiment commencé et que la sélection naturelle du monde de Fallout s'est faite. C'est triste, mais dès cet instant, la grande majorité d'entre vous va mourir, soit des détonations, soit à cause des radiations. Car pour survivre, il vous faudra un abri. Et pas juste un pauvre abri de survivaliste, mais un super abri Voltec bien sûr. Si vous avez énormément de chance et que vous faites partie des 0,1% de riches américains sélectionnés, vous avez peut-être été capable de rejoindre l'un des 122 abris de cette entreprise qui est sauveuse de l'humanité. Oui. Donc déjà, si vous êtes français ou pas assez riche, bah vous n'aurez pas cette chance. Sauf que pour ça, j'espère que vous êtes bon au sprint, parce qu'une fois les bombes tombées, vous n'avez pas envie d'être à la traîne et de rester bloqué à l'extérieur de votre abri. Sinon, vous allez très mal finir. Si vous avez le malheur d'être toujours dehors quand les bombes sont tombées, vous aurez le choix entre une mort et une vie atroce. Et en vrai, si t'as de la chance, tu vas finir directement vaporisé par le souffle de l'explosion avant que t'aies temps de comprendre ce qui t'arrive. Et si t'as le malheur de survivre, ta peau va fondre, ton nez va tomber et tu ne seras plus qu'une goule. Un être ni vraiment mort, ni vraiment vivant. Alors ok, vous pourrez vivre des siècles en plus d'être insensible aux radiations. Mais à tout moment, vous pourrez perdre la tête et finir comme un zombie à bouffer des gens. C'est d'ailleurs ce qui arrive au voisin de Sanctuary, ou même à l'employé Voltec. Sauf que lui, ça va, il a pas encore pété un câble. Mais bon, ça c'est si vous courez pas assez vite à votre abri, ou que vous n'êtes pas dans la liste. Mais dans le cas où vous avez de la chance, là, c'est bon. Vous êtes dans l'abri et il peut plus rien vous arriver. Enfin, en théorie, hein. Oui, c'est vrai, il y a des abris où la vie se passe plutôt bien, et c'est plutôt normal. Comme l'abri 13 de Fallout 1, l'abri 76, et ben, de Fallout 76, ou l'abri 33 de la série. Là-bas, la vie est cool, les gens sont sympas, et ils survivent avec le sourire en étant utiles à l'abri qui les a sauvés. Mais c'est vraiment des exceptions. Sur 122 abris, t'en as à peine plus d'une dizaine de vraiment sûrs. Les autres ne sont que des expériences sociales de l'enclave. Les descendants de l'ancien gouvernement. Et grosso modo, je vous le dis vraiment, hein, mais les abris, c'est un peu des vidéos de MrBeast, mais façon apocalypse. Parmi toutes ces expériences cheloues, on retrouve vraiment tout type d'horreurs qui te font réfléchir à deux fois avant d'entrer dans un abri. Et ça peut être des trucs tout simples qui vont foutre ta vie et celle de l'abri en l'air, comme pour l'abri 12 et le 101. Dans le premier, c'est simple, les portes ne se sont pas fermées complètement. Et tout ça, c'était fait exprès. Et les gens, ils ont fini par muter. Tandis que dans le 101, c'est l'inverse. Les portes étaient censées ne jamais s'ouvrir, faisant croire à ses habitants qu'ils n'avaient rien à l'extérieur. Mais dans d'autres, t'as juste pas de vie et on va juste faire des expériences sur toi. Genre le 106 et le 87. Dans le premier, on va juste filer des drogues hallucinogènes. Comme ça, juste pour voir ce que ça fait. Et dans le second, tu vas être soumis de force au virus évolutif forcé. Un virus qui va faire de toi une certaine mutant. Après, si tu préfères des expériences tordues, plus douce, tu as l'abri 112. Ici, tu vas finir dans une simulation infinie gérée par un vieux mec. Résultat, bah la plupart des abris ont fini ravagés ou abandonnés. Donc si vous voulez survivre, pas le choix. Va falloir sortir et tracer votre route à travers le Wasteland. Mais gare à vous, car c'est pas donné à tout le monde. Après la Grande Guerre et la pluie de bombes nucléaires tombées sur la Terre, le monde a radicalement changé et la majeure partie de la planète est devenue un wasteland. Une terre aride, désolée et hautement radioactive. Ici, le danger il est partout. La nature a évolué pour vous tuer et les humains survivants ne sont clairement pas mieux. Forcément, dans un monde post-apo qui a été ravagé par une guerre atomique comme Fallout, votre premier ennemi invisible, ça va être les radiations. Sans un Pip-Boy ou une armure assistée, vous n'avez rien d'autre que votre bon sens pour éviter les zones vraiment irradiées. Plus vous êtes irradié, plus votre endurance, votre agilité, votre force et même votre espérance de vie va diminuer jusqu'à votre mort. Alors évitez de boire de l'eau un peu chelou ou pire, de vous baigner dans une piscine radioactive, sinon c'est ciao. Et je vous parle même pas de tempêtes radioactives qui augmentent drastiquement les radiations dans les zones touchées, en plus de faire tomber des fichus éclairs radioactifs. Et avec de tels phénomènes qui ont bouleversé l'environnement, bah les animaux aussi ont été impactés et pas qu'un peu. Genre les cafards. C'est bien drôle de dire qu'ils pourraient survivre à une bombe nucléaire, hein. Ouais, et bien vous allez moins rire quand ils auront muté en rat de cafard pour faire la taille d'un petit chien
chien pour te croquer avec ses potes. Mais ça, c'est rien comparé au rat scorpion. Déjà qu'un scorpion de base, je suis pas trop fan. Bah alors un qui ferait ma taille et t'en fonce dessus en bande. Ah bah ça, non merci, je fais demi-tour direct. Et ça, c'est limite mignon comparé aux yaogai et aux écorcheurs. Bon, les yaogai, y'a pas grand chose à dire, c'est des ours, mais mutants. Et si t'as vu la série, tu sais que même une armure assistée te protège pas tant que ça de leur attaque. Mais le pire, ça reste les écorcheurs. Eux, c'est simple, c'est le prédateur suprême du Commonwealth ou du Moaway. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur les pires monstres, et vraiment, ils méritent ce titre. Féroce et implacable, avec une peau extrêmement résistante et des coups de patte qui vont te trancher, rien qu'un seul peut te démolir. Mais si tu tombes sur une meute, comme de New Vegas, tu n'as aucune chance. Ils sont plus rapides que toi, donc j'espère que tu vas leur exploser les pattes pour tenter de fuir, ou vraiment les tuer. Parce que bon, ton dernier choix, bah c'est la mort. Non vraiment, les mutations, il y en a pour tout le monde dans le Wasteland. Ça touche même les humains. Bon, on a déjà parlé de ce qui t'arriverait si tu devenais une ghoul, mais si t'en croisais une, tu ferais pas le malin non plus. Déjà parce qu'ils font hyper peur, même si c'est pas leur faute, et en plus c'est chaud de leur faire confiance si à tout moment ils peuvent virer zombie et tenter de te croquer. Mais à côté des super mutants ou des centaures, c'est des enfants de cœur. Les super mutants, c'est, comme leur nom l'indique, des humains qui ont muté à cause d'un virus et sont devenus surhumains et difformes, ressemblant plus à des ogres bien énervés. Eux, ils peuvent se battre avec des armes au corps à corps, avec des flingues, évidemment, mais il y a également des versions avec des bombes, et eux, ils se suicident en mode kamikaze. Et leur version behemoth encore plus grande qu'un écorcheur, ça fait vraiment pas rire. Lui, il va t'écraser comme une peau fourmi. Certains peuvent être gentils, comme Strong par exemple, mais il y en a des intelligents comme Fox dans le troisième épisode. Eux, ils sont tellement dangereux qu'ils ont failli prendre le contrôle du Wasteland dans le premier jeu. Et encore heureux que le protagoniste du premier épisode ait mis fin à tout ça. Quant aux centaures, eux, rien qu'avec leur tronche, elle va te hanter la nuit. Pire que les ghouls, le truc, c'est un mission twist mutant de tout ce que tu peux trouver de plus affreux. T'as vraiment pas envie de te prendre l'un de leurs coups de langue tentacule ou l'un de leurs moulins radioactifs. Et sinon, on peut également se faire tuer par des robots. Soit parce qu'ils sont devenus fous à cause de plein de problèmes techniques causés par les radiations, soit parce que quelqu'un de mal intentionné en a reprogrammé. Il y en a d'autres, ils protègent un lieu en particulier, et certains pensent que la guerre contre les communistes est toujours là. Donc dites bonjour à Mr. Gutsy qui va penser que vous êtes un espion chinois, peu importe votre réponse. Enfin, à moins que vous lui dites ça. Go fuck yourself, you crazy robot. Analyzing. American colloquialism confirmed. Probability of use by Chinese infiltrator, 0.3%. Thank you. Il y a également les assaultrons qui sont extrêmement dangereux. Eux, ils peuvent te poignarder avec leurs pinces et ils ont surtout un méga laser qui peuvent vous démembrer. Vraiment, si vous en voyez un, vous êtes déjà mort. Et encore heureux que celui que Lucie a vu n'était pas actif. Et enfin, vous n'avez aucune chance face aux robots sentinelles. Eux, ce sont des tanks sur pattes avec plein d'arts comme des Galting et des missiles. Et en plus, ils sont vraiment rapides. Non, une vraie machine de guerre. Après, pas besoin de tomber sur des monstres pour être en danger dans le Wasteland. Juste les humains, ça suffit. Bah oui. Après tout, c'est bien nous qui avons détruit le monde et indirectement créé tous les trucs d'avant. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas pire que nous. T'as des pierres ou des bandits prêts à tous les meurtres les plus horribles pour quelques ressources, des cannibales prêts à te bouffer, ou encore des esclavagistes. Il y a également des vendeurs d'organes prêts à te capturer et te charcuter pour un petit peu de capsule. Mais aussi les cinglés de la Légion de César. Si t'as joué à l'excellent New Vegas, tu connais forcément cette faction d'esclavagistes tribaux un petit peu trop fan de l'Empire romain. Chez eux, ça se tabasse à mort, ça se crucifie, et le tout dans la joie et la bonne humeur. Si tu veux survivre, t'as intérêt à conformer à leurs normes militaires extrêmes et accepter toutes les folles décisions de leur dictateur fou. En vrai, les dangers qui représentent les autres humains est assez élevé pour se balader dans le Wasteland. Et ça, on le voit bien dans la série. Tu sais pas ce que pourrait cacher juste deux randoms que tu croises par hasard, vu que la mort est partout et que tu peux faire confiance à personne. En revanche, si tu veux quelqu'un de confiance pour t'aider à survivre aux pires univers de la pop culture, tu peux compter sur moi. Il suffit juste de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Et je serai un bon compagnon pour tes aventures dans Wasteland. En plus, ça te permet de rien rater des prochaines vidéos. Comme ça, ta survie à Fallout est garantie. Alors vous dites peut-être que poursuivre dans Fallout, c'est pas si difficile, vu votre nombre d'heures de jeu, vous avez roulé sur vos ennemis, même en mode hard. Ok, mais crois-moi, je pense que ton expérience est un petit peu biaisée. Et si t'es téléporté dans cet univers, bah ça risque d'être plus compliqué. Il suffit de regarder la série, ou d'essayer le mode survie de Fallout 4 ou New Vegas, et là tu verras, c'est vraiment autre chose. Ce mode c'est simple, c'est presque un autre jeu, et c'est la façon la plus réaliste de jouer à Fallout, même s'il garde l'iconique, mais irréaliste système de visée assistée. Et en même temps, je les comprends, ça reste très stylé. Mais à part ça, tout le reste des interfaces qui te sauvaient la vie, bah tu peux leur dire adieu. Ici, plus de sauvegarde rapide ou manuelle en passant par des menus. Pour sauvegarder, il faudra obligatoirement passer par un lit. Le voyage rapide, pareil. Tu oublies. Pour te déplacer, tu pourras que compter sur tes jambes ou sur des vers petites terres si t'es pote avec la confrérie de l'acier. D'ailleurs, les Fallout, c'est un peu le genre de jeu où tu lootes à peu près tout et n'importe quoi, même des trucs un peu bêtes. Mais en vrai, tu seras extrêmement limité. Déjà, il te faudra un sac, la plupart de ton bateau sera la nourriture ou encore du soin pour survivre aux terres désolées. Une tenue que tu portes sur toi et une ou deux armes, pas plus. Allez,
peut-être une arme au corps à corps, un pistolet, et pourquoi pas un sniper ou un fusil à pompe. Dans Fallout 4, avec un personnage de base, tu peux soulever jusqu'à 115 kg au total en mode survie. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup trop pour un humain lambda. C'est pas pour rien que la plupart des personnages de la série ont pas grand chose sur eux, et que dans la confrérie de l'acier, t'as des écuyers qui portent un énorme sac. Donc si vous êtes transporté dans cet univers, vous pouvez oublier toutes les grosses armes, genre les Gatling, les lance-roquettes ou encore les Fatman, parce que tu vas avoir un gros problème. Ce type d'arme est super lourde, et les munitions, bah ça pèse du poids. D'ailleurs, les roquettes ou les mini-bombes nucléaires, tu veux les mettre où là? Genre dans tes poches, dans un sac? Non, ça te fatiguerait trop, l'encombrement ça peut faire super mal aux jambes, et en condition de survie, tu veux à tout prix que tes jambes soient intactes. Quant au compas qui t'indiquait les ennemis, les PNJ et les lieux d'intérêt, maintenant tu oublies, et tu t'en serviras comme un vrai compas. Il y a que les lieux d'intérêt qui seront toujours affichés, mais que s'ils sont à quelques mètres de toi. Donc va falloir utiliser tes yeux et être attentif. Et si dans les Fallout de Bethesda, les combats, ça va? Enfin, à moins que tu cherches la merde, qu'on des écorcheurs. Mais globalement, dans les jeux, tu te prends des dégâts, tu tankes assez bien, et tu te soignes très facilement avec de la bouffe ou encore des snipacks. Sauf que dans la réalité, les combats seraient bien plus hard. Dans la série, même une petite rencontre peut s'avérer tendue. Bah oui, tu peux mourir très facilement. On n'est pas comme dans SAO où ton personnage il est beaucoup trop fort. Dans le mode survie, les ennemis sont plus forts et plus résistants, et leur fréquence d'apparition ne dépend plus de ton level. En même temps, normal. Dans la vraie vie, les obstacles ne se calent pas sur tes compétences. En plus de ça, les objets de soins sont moins efficaces dans ce mode, et c'est normal. Tu te régénères pas instantanément après t'être pris une balle. Il va bien falloir faire gaffe aux Steam Packs, ces objets qui vont te régénérer plutôt rapidement. Et bien sûr, si vous êtes dans ce monde, il va falloir prendre soin de vous. Dans le jeu vidéo en mode normal, faut juste faire gaffe à sa barre de vie et aux radiations. Mais si on est vraiment dans cet univers, tu peux oublier le fait de faire plein de quêtes à droite à gauche en mode je me balade, pépouze, je suis le Wanderer comme dans le trailer. C'est super cool et ça donne envie de jouer, mais en vrai ça serait hyper chiant. Parce que déjà t'oublies la téléportation et tu vas te balader à pied et faire attention à la faim, l'hydratation, la fatigue et la santé de ton personnage. Non, vraiment, allez-y, jouez en mode survie et vous allez vous rendre compte de la difficulté de vivre dans un monde post-apo comme Fallout. Autant dans le mode normal, tu t'en fiches et tu peux enchaîner les quêtes. Et si tu te sens pas super bien, tu peux toujours boire de l'eau radioactive. Mais dans le mode réaliste, et si on était dans la vraie vie, à boire, manger et dormir, et bien prévoir ses déplacements et sa nourriture, c'est vraiment une épreuve. Et je pense que là, on serait beaucoup à tomber dans le cannibalisme. Et c'est pas fini, puisqu'il faut penser à votre santé. Bah oui, dans un monde irradié, en proie aux mutants et aux virus, la moindre maladie ou égratignure doit être traitée avec attention. Et ne pensez pas pouvoir faire repousser un membre avec le Steam Pack. Si ça avait été le cas, il aurait fait dans la série. Pareil pour les radiations. Tu peux plus en guérir tranquille avec une boisson fraîche ou un radaway. Les boissons ne marchent qu'en dessous d'un certain niveau de radiation, et les radaways vont augmenter ta fatigue, ta faim, et te rendre plus sensible aux maladies. Et surtout, on l'a vu dans la série, c'est pas instantané. Et en vrai, on n'y pense pas d'habitude, mais tu peux être malade dans Fallout, et c'est extrêmement handicapant. Tu peux avoir plein de maladies différentes bien hardcore qui peuvent durer jusqu'à 7 jours, et impacter pas mal de choses, comme les parasites qui vont te forcer à manger deux fois plus et monter ta faim plus vite, la faiblesse qui va te faire prendre plus de dégâts, ou pire, une infection. Tant que t'as pas pris d'antibiotiques, ça va pas durer. Alors fais bien gaffe à ce que tu manges ou aux drogues que tu vas prendre, ça fait partie des facteurs de risque. Et tout ça, c'est des trucs dont on se rend bien plus compte avec la série. Là, tu vois bien que l'eau est précieuse, que les radiations peuvent vraiment te foutre dans un sale état, et que les blessures, surtout celles qui te rendent estropié, ben t'en guéris pas comme ça. Sauf avec le Steam Pack, mais genre ce truc, c'est vraiment une dinguerie comment c'est fort. Et oui, désolé vous de l'apprendre, mais c'est comme ça. Si comme moi vous faites partie du commun des mortels et que vous n'avez rien de vraiment spécial pour vous démarquer, vous ne pouvez pas survivre dans les terres désolées. Mais c'est quoi du coup être spécial? Eh bien c'est un système dans Fallout qui permet de répartir les forces et faiblesses de chacun en 7 statistiques. La force, la perception, l'endurance, le charisme, l'intelligence, l'agilité et la chance. Oui, je sais en français, ça donne plutôt fessiac. Du coup, on va garder la version anglaise. Ça reste quand même plus stylé. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sont des stats qui vont de 1 à 10, où 5, c'est vraiment la moyenne d'un humain, tout ce qu'il y a plus de banal, tandis qu'à 1, t'es vraiment un échec sur patte, et à 10, par contre, t'es vraiment un surhomme dans la stat en question. D'ailleurs, avant de continuer, on va faire un petit jeu. Je vous laisse regarder la description des différents niveaux de spécial, alors soyez le plus objectif possible, et notez quelque part vos propres stats pour voir si vous allez survivre. Et au total, vous avez 40 points. Je mettrai 5 en force, en intelligence et en agilité, 6 en perception, en endurance et en carré, et enfin, c'est en chance. Mais vraiment, avec ces stats, je pense pas faire long feu dans le Wasteland. Genre, ça veut dire quoi? Avec ma chance, les gens vont glisser et seraient aimés tout seuls comme des débiles. Face à ce monde désolé, rempli de monstres, de mutants et d'autres humains qui veulent votre mort, il va falloir des bonnes stats et des bonnes compétences pour vous en sortir. Déjà, ce que vous devez avoir en priorité si vous voulez survivre en solo, bah, c'est de l'endurance. Plus vous avez d'endurance, plus vous allez être capable de supporter des trucs comme la déshydratation, la fatigue,
les radiations et tout plein de trucs qui peuvent vous faire du mal. Et si en plus de ça, vous avez des compétences de survie, vous pouvez vous mettre bien. Genre si vous avez chassé, cuisiné des plats sains à partir de trucs horribles, comme des gros cafards, ou encore que vous savez filtrer l'eau, alors là, vous aurez vraiment vos chances pour survivre en solo. Mais ça ne suffira pas. Il va aussi falloir se battre, vu comment le monde de Fallout est dangereux. Et n'espérez pas que vos stats de force vont être utiles. T'as beau être aussi musculeux que The Rock, tu vas faire quoi contre un gros ours mutant? Le truc défonce même une armure assistée. Non. À la place, vaut mieux prioriser les armes. Et pour ça, dans Fallout, il faut de l'agilité pour réagir vite. Couplez une bonne stat d'agilité avec une bonne perception pour repérer les ennemis avant qu'ils vous repèrent, et vous pourrez être un sniper redoutable. Parfait pour prendre des jobs de mercenaires ou de chasseurs de primes. Et pourquoi pas de garde du corps pour des marchands. D'ailleurs, souvent, vous me parlez des armures assistées, et vous pensez que vous serez safe si vous êtes dedans. Sauf que déjà, il faut en trouver une, avoir le réacteur de fusion pour l'alimenter, et il faut savoir s'en servir, sinon, ça serait pas très efficace. C'est pas pour rien que dans les jeux avant le 4, il faut faire un entraînement pour la porter. Puis même, l'armure risque de tomber en panne, vu que t'auras plus de carburant. Après, si t'as pas de bonnes compétences pour te battre, pas de panique. Il te reste quand même quelques chances de t'en sortir. Enfin, pas en solo par contre. Si dans notre monde, vous êtes médecin, ou même juste en école d'infirmier ou de médecine, pas pour l'univers de Fallout, vos compétences sont hyper précieuses, et savoir soigner les autres pourra vous permettre de rejoindre l'une des différentes factions. Même chose, t'es ingénieur, un scientifique, ou juste ultra bricoleur et débrouillard. Il y a tellement peu de technologies fonctionnelles, que si tu sais réparer, reprogrammer ou carrément créer des outils utiles, presque toutes les factions et les communautés vont avoir besoin de toi. Genre dans la série, tu peux te faire la thune en réparant des petites choses, et dans New Vegas, tu peux te faire 50 capsules juste en réparant une radio. Entre les armes à énergie, les explosifs et les armures assistées, tes compétences de bricoleur seront plus qu'utiles. Et là non plus, tu penses pas t'en sortir? Bah, il te reste plus qu'une solution, être un beau parleur. Non, vraiment, ne rigolez pas. Dans Fallout, si t'es bon au charisme et que t'es un bon orateur, tu peux sortir de pas mal de situations mortelles juste par le dialogue. Genre dans New Vegas, tu peux même éviter de te battre contre les boss finaux. Tu peux les convaincre de se calmer sans trop de problèmes si t'as de bons arguments. Bon après, par contre, ça marche pas contre les créatures. Et on avait avec Lucy dans la série, qui d'après son intro est spécialisée en réparation, science et bien sûr, en discours, bah en vrai, ça fonctionne pas toujours. Ça dépend vraiment de ton interlocuteur. Donc sois vraiment prêt à te battre si ça tourne au vinaigre. D'ailleurs, c'est un truc de ouf, mais si t'as une intelligence inférieure à 3, genre t'es aussi bête que caillou, bah tu peux être avantagé aussi, vu que les autres vont vraiment te materner comme un bébé. Après tout, pourquoi pas? C'est un moyen de survie comme un autre. Dans ce monde désolé où vos chances de survie sont très faibles et où tout veut votre mort, il vaut mieux être bien accompagné. Mais que ce soit d'un chien, d'un robot, d'un humain ou d'une communauté, il te faudra réfléchir pour faire le bon choix. Sinon, ça pourrait très bien se retourner contre toi. Le premier truc que tu vas penser si t'as joué à Fallout, c'est avoir un chien. Bah oui, c'est mignon et c'est très présenté dans les trailers. Il peut repérer les ennemis et même attaquer, en plus d'être plus ou moins immortel. Sauf que dans la réalité, ça marche pas comme ça. Déjà, pour qu'un chien soit utile, c'est pas instantané, il faut prendre le temps de bien le dresser. En plus, il sera pas immortel, ni aussi utile que tu le crois en combat. Un coup de fusil ou un coup de couteau, et c'est bye bye pour le dogo. Et puis il va falloir le nourrir et l'hydrater, donc tu vas y perdre en nourriture et en eau pour toi. Par contre, il peut potentiellement détecter des ennemis ou la nourriture rien qu'à l'odeur. Un peu comme D-Dog dans MGS5. Et là, il pourrait être bien plus pratique. D'ailleurs, c'est un peu galère avec un allié humain. Il va falloir partager tes rations avec lui, et en cas de grosse galère, j'espère que tu lui fais assez confiance pour pas qu'il vire cannibale et qu'il essaie de te croquer. Donc choisissez plutôt un allié robotique comme un Mr. Andy, il sera plus polyvalent et résistant. Et si vous êtes un bon bricoleur, il pourra durer toute votre vie. Le compagnon parfait pour un vagabond du Westland. Mais si la vie de nomade, c'est pas trop votre truc, ou que les dangers du Westland vous font trop peur, et en vrai, ça se comprend, pourquoi ne pas rejoindre une communauté, comme par exemple une ville? Bon, évidemment, dans l'eau, t'as forcément des villes assez dangereuses, comme Good Neighbor où le taux de crime est très élevé, Freeside qui a ses ghettos, ou Megaton où t'as une bombe nucléaire au centre, et si un malade décide de la péter, c'est ciao pour toi. Mais en vrai, il y en a quelques-unes de sympas, genre Diamond City. C'est pas mal en vrai. Il suffit juste d'y trouver sa place et de se rendre utile sans faire de vagues. Tu peux même avoir un poste à la radio si t'es bon. Après, si t'es plus du genre à vouloir défendre une cause pour donner du sens à ta vie post-apocalyptique, tu peux aussi choisir de rejoindre une faction. Mais attention à bien choisir. Il en a certaines que t'as vraiment pas envie de rejoindre. Comme par exemple les enfants de l'atome, où ils vivent dans un lieu ultra radioactif. Non. Perso, j'en veux pas. Mais si t'es du genre très combatif et militariste, et que tu aimes pas trop les ghouls ou les super mutants, alors tu pourrais rejoindre la confrérie de l'acier. Ils sont plutôt forts et bien équipés avec leurs armures, et leur objectif de vouloir ramener la supériorité technologique d'avant-guerre, bon. C'est ok. Bon après dans la série ils ont l'air très incompétents, et ça reste l'armée en mode religion ultra conservatrice, et tu vas baver en tant qu'écuyer, mais sinon dans la plupart des jeux, ils ont une bonne situation. Enfin, à part à New Vegas, où ils sont relégués dans un trou. Et si tu les rencontres et que t'es pas avec quelqu'un qu'ils connaissent, ils vont te mettre un collier explosif. Non vraiment, dans New Vegas je suis sans pitié et je les explose dans leur trou à rats. Un trou, ils ont été repoussés par une autre faction militariste, la République de Nouvelle-Californie, ou RNC. Eux, c'est comme une giga-armée comme la confrérie, mais en moins raciste et bien plus ouvert et humaniste. Bon, bah c'est pas mal non?
Oui, par contre, ils sont en guerre avec absolument tout le monde. Que ce soit les Raider Khan, la confrérie, l'enclave ou bien la Légion. Ils pourraient très bien vous envoyer au front et ils sont tellement dissipés qu'ils pourraient perdre la guerre. Après, ils peuvent vous protéger, mais les taxes vont être super élevées. Mais si vous êtes plus du genre à vouloir aider votre prochain, pourquoi ne pas plutôt rejoindre les Minutemen ? Une milice pour le peuple et par le peuple. Très démocratique et ouverte, sauf qu'il y a un problème, c'est pas une faction très puissante. Et elle est quasiment éteinte au début de Fallout 4. Après, si un général suffisamment fort, comme peut être le protagoniste du jeu, là, ça vaut le coup. En plus, ils installent des systèmes de défense pour les fermiers. Non, franchement, eux, c'est des bros. Après, avec les Samaritains, t'as une faction encore plus dans l'entraide et encore moins dans les armes. Eux, c'était basiquement des soigneurs qui faisaient tout pour aider les civils, et même les autres factions. Ils portaient vraiment bien leur nom, mais vu qu'on les a vus que dans Fallout 76, qui se passe bien avant les autres, il n'est pas impossible qu'on ait profité de leur gentillesse pour les éradiquer, vu que les armes, c'était pas leur point fort. Heureusement, il reste encore les disciples de l'Apocalypse, un groupe humanitaire voué à aider et à éduquer les peuples de ce monde post-apo. C'est un peu les médecins sans frontières de Fallout. Ils veulent juste aider à reconstruire le monde et ils sont ouverts à tous, en plus de rester quand même bien armés. Et oui, la paix, ça se protège. Mais bref, vous choisirez quelle faction? Et comment allez-vous survivre dans les terres désolées? Personnellement, j'essaie de rejoindre une bonne ville, genre Diamond City, et en vrai, avec mes compétences, bah je sais faire que des vidéos. Donc je sais pas trop ce que je ferais. Genre peut-être des films ou des tutos, un petit peu comme le guide de survie des terres désolées dans le 3 notamment. Mais je le ferai en mieux. Par contre, c'est pas moi qui vais affronter des monstres ou manger des trucs radioactifs. Non, moi j'écrirai et je ferai la vidéo selon vos expériences, et je vous filmerai. D'ailleurs, vous souhaitez que je parle de quel autre jeu dans les vidéos pourquoi tu peux pas survivre? Je sais pas, Doom, Bioshock, Minecraft, Witcher, enfin bref, dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à bombarder les pouces bleus, à partager la vidéo et à vous abonner en activant la cloche. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!